Bonjour et bienvenue à la conférence Katia Boustany 2022 de la Société québécoise de droit international, intitulée cette année « Faire équiter son nid, un retour vers le futur du droit international pénal humanitaire ». Pendant que les gens se joignent à nous, je vous propose quelques mots pour accueillir les conférenciers et vous donner quelques consignes durant cette conférence. Je suis Eric Sullivan et j'aurai l'honneur de faciliter cet événement qui rapprochera nos esprits à défaut de pouvoir être tous et toutes au même endroit. Cette année, à l'occasion du 40e anniversaire de la Société québécoise de droit international, la conférence est co-organisée par la Société québécoise de droit international, la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, la Clinique de droit international pénal et humanitaire, le développement de partenariats Osons le DIH, le projet de recherche sur l'application extraterritoriale du droit international des droits humains, le partenariat canadien pour la justice internationale, la faculté de droit, en collaboration avec le blog juridique Quid Justicier. L'événement d'aujourd'hui est enregistré et diffusé en direct sur Facebook Live via les pages des organisations que je viens de mentionner. Vous trouverez en bas de l'écran le clavardage où des infos complémentaires vous seront communiquées, ainsi qu'un icône Q&A, où vous pourrez poser vos questions et voter pour soutenir vos questions préférées. Pour lancer officiellement nos activités, j'invite dans un premier temps la vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté de droit, le professeur Marie-Ève Arbour, à prendre la parole au nom de la Faculté de droit. Marie-Ève. Merci beaucoup, Eric Sullivan. J'espère que vous m'entendez convenablement. Alors, chers conférenciers, chers et chers collègues, chers participants et participantes, à titre de vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes, il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à la Faculté de droit à l'occasion de la conférence Katia Boustany 2022 de la Société québécoise de droit international qui fête, comme on le dit, ses 40 ans. Lorsque la SQDI, par l'entremise de son vice-président aux activités scientifiques et aussi professeur à notre faculté, Charles-Emmanuel Côté, a proposé aux professeurs Fanny Lafontaine et Julia Grignon d'accueillir cet événement emblématique du droit international, elles n'ont eu vraiment aucune hésitation. Depuis plus de 10 ans, comme vous le savez, le droit international relatif à la protection des droits humains occupe une place importante au sein de notre faculté. Nos professeurs, chercheurs et cliniciens travaillent sans relâche pour former la relève de demain, trouver par la recherche des solutions innovantes et éclairées et aussi soutenir les différentes communautés d'égal à égal. Cet événement est une occasion précieuse de raffermir nos liens avec la SQDI et de réaffirmer ensemble l'importance et les potentialités du droit international. Alors, je crois qu'il ne faut pas se laisser freiner par les temps qui courent et continuer de se retrouver ensemble, même si c'est encore en ligne. Alors, en mon nom personnel et au nom de la faculté, je remercie beaucoup la SQDI, les professeurs William Chabas, qu'on a eu l'occasion d'accueillir, comme il l'a mentionné tout à l'heure, en soutenance de thèse, et Éric David, mes collègues aussi, Fanny et Julia, ainsi que leurs organisations respectives pour leur implication très importante dans cet événement. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous remercie. Merci et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci, professeur Arbour, et merci à la Faculté de droit et à son équipe des événements et des communications pour le soutien reçu au cours des dernières semaines. J'invite maintenant le vice-président aux activités scientifiques de la Société québécoise de droit international, le professeur Charles-Emmanuel Côté, à présenter quelques mots au nom de la SQDI.
Merci, Éric. Alors, bonjour à tous. Effectivement, en l'absence du président de la Société québécoise de droit international, François Roch, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette édition 2022 de la conférence Katia Boustany. Je serai très bref, simplement pour indiquer que cette conférence vise à honorer la mémoire de la professeure Katia Boustany, qui a été présidente de la Société québécoise de droit international et qui s'intéressait justement au champ du droit international humanitaire, du droit pénal international et aussi des règles entourant l'emploi de la force. Et donc, cette conférence est organisée sur une base annuelle et vise à développer un sujet souvent malheureusement en lien avec l'actualité. Effectivement, comme on le signalait, la dernière édition portait sur les incidents qui sont passés au Karabakh il y a pas très longtemps. Alors, l'actualité, malheureusement, nous fournit souvent des sujets pour cette conférence. Et donc, la conférence de cette année, nous sommes très heureux de l'avoir être hébergée virtuellement à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je remercie vraiment à nouveau vivement mes collègues Julia, Fanny, Éric Sullivan, toute l'équipe de l'Université Laval pour avoir saisi la balle au bon et organisé cette conférence cette année à la faculté. Elle s'inscrit, comme le disait ma collègue la vice-doyenne Maria Barbour, elle s'inscrit dans le programme d'activité qui vise à souligner le 40e anniversaire de la Société québécoise de droit international. Et il y aura d'autres activités à suivre, notamment le point d'orgue sera les États généraux de la Société québécoise de droit international qui auront lieu à l'automne. Alors, restez branchés, il y aura plus d'activités à venir. Et puis, à nouveau, bien, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence 2022, Katia Boustany. Merci beaucoup, professeur Côté. Merci aussi à la Société pour la proposition d'organiser la conférence à la faculté cette année. La conférence Katia Boustany vous propose de revisiter cette année, en compagnie des professeurs William Chabas et Éric David, les développements les plus marquants des 40 dernières années du droit international pénal et humanitaire, puis d'envisager les différents défis auxquels ces domaines du droit international seront confrontés au cours des 4 prochaines décennies. Professeur Éric David a enseigné le droit international public et différentes branches du droit international public depuis 1973 à l'Université libre de Bruxelles, ainsi que dans diverses universités étrangères. Il a pratiqué le droit international public comme conseil de plusieurs États devant la Cour internationale de justice. Professeur émérite depuis octobre 2009, il continue à enseigner le droit des conflits armés à l'ULB. Professeur William Chabas est professeur à la Middlesex University, professeur émérite à la National University of Ireland Galway, professeur à l'Université Leiden aux Pays-Bas, où il se trouve aujourd'hui, président d'honneur du Irish Center for Human Rights, professeur invité à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris et door tenant au 9 Bedford Row Chamber à Londres. Ils ont tous les deux publié un nombre considérable d'articles juridiques et d'ouvrages, dont plusieurs édités en plusieurs langues. Petite anecdote, pendant la préparation de cette conférence, nous avons analysé plus de 60 pages de bibliographie de leurs deux candidatures, de leurs deux dossiers. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la SQDI et de la Faculté de droit de l'Université Laval, professeurs Chabas et David. La conférence sera animée par les professeurs de la Faculté de droit, Fanny Lafontaine et Julia Grignon. La professeure Lafontaine est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux et directrice du partenariat canadien pour la justice internationale. La professeure Grignon dirige le développement de partenariats Osons le DIH et le projet de recherche sur l'application extraterritoriale du droit international des droits humains. Ensemble, elle co-dirige la clinique de droit international pénal et humanitaire. Sur ces paroles, je vous invite à faire ce retour vers le futur du droit international pénal et humanitaire en compagnie de nos invités et animatrices. Professeur Grignon lancera la discussion. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Éric. Je suis très heureuse d'ouvrir les débats. Je vous remercie beaucoup, professeur David et Chabas, d'avoir accepté l'invitation de la SQDI, que je remercie à mon tour au travers le vice-président Charles-Emmanuel de nous l'avoir proposé. Lorsqu'on a eu cette proposition, évidemment, Fanny et moi, dont les champs d'enseignement et de recherche s'inscrivent dans vos champs de recherche et d'enseignement, et assez humblement, on inscrit nos pas dans les vôtres. On s'est posé la question de savoir comment valoriser au mieux votre présence à Québec, même en ayant une présence virtuelle. Et alors, plutôt qu'un bilan et perspective, c'est véritablement un retour vers le futur qu'on vous propose au travers cette grande traversée que vous avez effectuée vous-même dans le champ du droit international relatif à la protection de la personne,
Et comme l'a dit Eric, on aura donc l'occasion de voir quelles sont vos analyses à la fois sur le passé et quelles sont vos analyses prospectives, qu'est-ce que vous anticipez pour le futur à la fois du droit international humanitaire et du droit international pénal. Et donc, la première question que nous avions envie de vous poser, c'était celle de savoir quelle était votre perception à vous lorsque vous avez entamé votre carrière. Comment est-ce que vous perceviez le droit international dans son ensemble, mais peut-être plus particulièrement le droit international relatif à la protection de la personne, le droit international humanitaire, le droit international pénal? Qu'est-ce que ça recouvrait concrètement, ces deux branches du droit, et comment vous les envisagiez? Alors, on n'a pas, je crois, décidé quel était le premier qui voulait prendre la parole. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut se lancer en premier? Alors, je vois que professeur Chabas, vous voulez vous lancer, je vous donne la parole. Non, je t'en prie, Eric, tu es le senior. C'est gentil, merci de m'accorder le privilège de l'âge. Et en tout cas, merci aux organisateurs et organisatrices de cet événement et merci de m'avoir invité. Et bravo déjà pour cette organisation magnifique et pour la manière finalement assez, je dirais, précise de la manière de poser les questions. Je crois que ce n'est pas une mauvaise idée de le faire sur un plan, je dirais, plutôt historiciste. Parce que c'est vrai que personnellement, dans mes cours, j'ai toujours un petit peu insisté lorsque j'entamais l'exposé d'une matière, de le faire par un retour vers l'histoire, parce que finalement, l'histoire nous apprend plein de choses sur le présent. Alors, je trouve ça une très bonne idée. Alors, par rapport à votre question précise, quels étaient mes espoirs ou ma vision du droit international? Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, des camarades de promotion, on disait « Oh, le droit international, c'est un petit peu la morale internationale. » Et finalement, ça n'allait pas plus loin que cela. On était assez sceptiques. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'ai fait mon mémoire de fin d'études, non pas en droit, mais en sciences politiques, parce que j'ai fait le droit et les sciences politiques en même temps, je me disais « Oh, le droit international, c'est un petit peu de la frime, c'est un petit peu du rêve. » Je voudrais parler de la guerre et de l'incapacité du droit international public à empêcher cette chose qui est la plus horrible qui soit, qui est la guerre. Et donc, j'ai proposé à celui que je pressentais comme directeur de thèse, qui était le professeur Charles Chaumont à l'époque, de faire un grand mémoire sur la guerre et le droit international. Il m'a dit du calme, jeune homme, je crois que c'est un petit peu trop vaste. Essayer de resserrer un petit peu quand même l'étendue de votre étude. Et alors, c'est comme ça que c'est assez amusant, d'ailleurs, les coïncidences. Je me souviens qu'un jour, je me promène dans les couloirs de la faculté et je vois aux valves de la faculté un petit extrait de journal qui avait été affiché aux valves où je lis que le CICR veut que les mercenaires qui étaient réfugiés à l'époque au Rwanda, ils s'étaient mutinés contre le Congo, contre le président Mobutu, le CICR voulait que les mercenaires obtiennent un statut de réfugié politique au Rwanda. Alors je me dis, ça c'est quand même très étrange de vouloir reconnaître à des mercenaires un statut de réfugié politique. Et c'est comme ça que j'ai proposé tout de suite à mon directeur de mémoire de faire un mémoire sur le statut juridique des mercenaires. Il m'a dit, mais ça, c'est une très bonne idée. Et puis, ce mémoire n'a fait que croître et embellir. À l'époque, j'avais déjà été engagé comme chercheur au Centre de droit international par le professeur Jean Salmon. Et à un moment, il m'a dit, écoute, c'est ridicule de faire un mémoire là-dessus, faisons une thèse. Et c'est comme ça que finalement, ce qui devait être simplement l'objet d'un mémoire de licence est devenu une thèse de doctorat en droit. Donc c'est un petit peu, je dirais, par un enchaînement de circonstances que j'ai été amené ainsi à entrer de manière beaucoup plus approfondie dans le droit international public général, parce que finalement, à travers l'examen du statut des mercenaires, de la condition juridique des mercenaires en droit international, j'ai été amené finalement à étudier quasiment tout le droit international public. Vous savez, c'est un petit peu comme en médecine. Si en médecine, vous voulez faire la dermatologie, par exemple,
la dermatologie peut sembler quelque chose d'extrêmement limité, une chose très particulière du corps qui est l'étude de la peau humaine. Et finalement, à travers la dermatologie, en réalité, vous abordez quasiment toutes les branches de la médecine. Je le sais un petit peu parce que, ayant eu pour compagne une généraliste, un médecin, donc c'est vrai qu'on a parlé quelquefois, et c'est vrai qu'on me rend compte qu'il y a finalement, comme on dit le proverbe, tout est dans tout, réciproquement. Bref, c'est comme ça que je suis entré finalement dans le droit international public, avec finalement au départ beaucoup de scepticisme sur l'existence de ce droit et sur son efficacité. Et plus je creusais, plus je l'approfondissais, et plus je me rendais compte que finalement, ce droit existait, qu'il avait une réalité au même titre que le droit civil, que le droit pénal, que le droit fiscal, que toute une série de branches du droit que les juristes pratiquent quotidiennement, et que c'était une illusion de ma part que de penser que le droit international, c'était simplement du rêve, de la morale, de la poésie pour professeurs d'université, qu'en réalité, c'était une discipline à part entière, avec toutes ses qualités et bien sûr ses faiblesses, mais comme n'importe quelle autre branche du droit. Merci beaucoup. Bill Chabas, je vous laisse la parole. Merci, Julien. Alors, ma réflexion est très, beaucoup plus aux choses que je n'ai pas apprises à l'école ou à la faculté de droit. Comme Eric David, je suis obsédé par l'histoire et dans tous mes cours, je commence avec une partie historique. Mais ma vision de l'histoire des droits de la personne et du droit international pénal et du droit international public en général évolue avec le temps. Et je suis de plus en plus conscient du fait qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas enseignées concernant l'histoire de ces domaines de droit, et notamment c'est ce qu'on appelle de plus en plus la décolonisation du droit ou de nos études. C'est la contribution extra-européenne, si vous voulez, au droit international public, et je vais me limiter parce que le temps, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, à une réflexion sur le développement du droit international pénal. Procès de Nuremberg, etc. On connaît l'histoire. Et ce que j'ai appris et ce que j'ai enseigné, d'ailleurs, j'en suis coupable depuis toujours, c'est qu'il y a eu une période d'activité très importante après la Deuxième Guerre mondiale, une petite période après la Première Guerre, une activité importante après la Deuxième Guerre mondiale qui se termine en 1954 à peu près avec une décision de l'Assemblée générale d'arrêter les travaux de la Commission de droit international sur le Code des crimes et sur le projet d'une cour permanente. Et que tout ça recommence à la fin de la guerre froide avec une résolution de l'Assemblée générale de 1989. Mais alors, j'ai appris, enfin, mais je savais, ça existait, c'est juste que je ne le savais pas, qu'il y a eu beaucoup d'activités pendant cette période, entre 1954 et 89, mais ce n'étaient pas ceux qui veulent prendre le crédit pour l'évolution et le développement progressiste du droit international pénal, les Européens, le Canada, les États-Unis, etc. Mais c'est beaucoup plus, enfin, c'est le tiers-monde. Et c'est une histoire qu'on n'apprend pas et sur laquelle on n'écrit pas suffisamment. Il n'y a pas assez de recherches là-dessus. Mais par exemple, la notion de crime contre l'humanité, qui, on sait, a beaucoup changé à un moment donné. Je crois que Cassese a écrit là-dessus, il a dit: Le changement, la modification de la notion de crime contre l'humanité adoptée à Nuremberg commence à changer pendant les années 60. Je crois qu'il a dit, pas dans l'affaire Tadic, mais dans quelque chose qu'il a écrit par la suite. Et il a raison, mais il n'a pas mentionné d'où c'est venu. Ce n'était pas une proposition
de ceux qui veulent prendre le crédit maintenant pour tout ce développement en droit de la Cour pénale internationale, etc., c'était les Africains. Les Africains qui arrivent aux Nations unies pendant les années 60 et insistent à ce qu'on appelle, on identifie le crime d'apartheid, que l'apartheid soit identifié comme crime contre l'humanité. Et ils insistent là-dessus. Donc, on le trouve dans une des rares conventions en droit international pénal adoptées pendant cette période, la convention de 68 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a des pays, je crois que le Canada a voté contre le texte de cette convention, par exemple, parce que le Canada ne voulait pas, n'aimait pas, enfin les Occidentaux, les Européens, ne voulaient pas que le crime d'apartheid fasse partie de crimes contre l'humanité. Mais l'importance de cette évolution était non seulement d'inclure le crime d'apartheid, mais de reconnaître les crimes contre l'humanité en temps de paix. L'apartheid, c'était pas un crime pendant un conflit. Il n'y avait pas de conflit armé, mais c'était une période de paix. Et donc, c'est extrêmement important. Par la suite, on a la Convention sur l'apartheid qui est adoptée en 73. Cette convention, je sais que je suis parmi ceux qui et celles qui enseignent le droit international pénal. Donc, peut-être que vous insistez là-dessus, mais moi, je n'ai jamais enseigné la Convention sur l'apartheid. Je me rends compte maintenant combien c'est une convention extrêmement importante, un développement très important en droit international pénal. On reconnaît, par exemple, la nécessité d'une cour permanente internationale, et c'est Chérif Passioni, à la demande des Nations unies, qui va rédiger un projet de statut d'une cour pénale internationale, qui va par la suite, pendant les années 90, alimenter les débats à la Commission de droit international. Alors, c'est cette partie, cette histoire de la contribution, je dirais, africaine surtout, mais également d'autres pays, des pays qu'on appelle du tiers-monde ou parfois du Sud. C'est des choses que je n'ai pas appris à l'école, comme tout ce que nous avons appris à l'école aussi, il y a des lacunes qui reflètent, ce n'est pas des oublis, ou c'est des oublis relativement intentionnels de notre histoire. Et voilà, ça existe aussi en droit de l'homme, en droit de la personne. J'aurais pu parler d'une des grandes conventions, la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale, qui était proposée par des pays africains. Les Européens, on n'aurait pas eu, ne serait-ce que pour les nouveaux États africains qui étaient membres des Nations unies pendant les années 60. Je m'arrête là-dessus. Merci. Je réitère les remerciements, évidemment, puis à tout le monde. Et je salue aussi les gens qui sont, évidemment, qui participent à la conférence comme spectateurs ici. Et peut-être, professeur Chabas et David, vous avez mentionné justement ce qui s'enseigne, ce qui ne s'enseigne pas. Julia a mentionné qu'on marche bien humblement dans vos pas. Je me souviens, professeur David, que lorsque moi, j'ai été pour la première fois confrontée au droit international humanitaire, que j'ai participé au concours international Jean Pictet, il fallait que les coachs nous disent de ne pas citer David comme source de droit, que c'était... et c'est donc Chabas, même chose, évidemment, professeur Chabas, sur le génocide. Et donc, on est nous très heureux de vous avoir, mais aussi beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants qui sont ici, qui sont très heureux de vous avoir. Et je suis contente, Bill, que vous ayez mentionné ce qui n'est pas enseigné. Et je pense que c'est un peu, et la prochaine, là, on va rester pour quelques minutes encore dans les 40 dernières années, mais je pense que ce que vous venez de dire sur la contribution des pays du Sud et ce qui n'a pas tout à fait pénétré le droit positif actuel, malgré les efforts de certains pays pendant la période de la guerre froide notamment, est-ce que ça fera partie du futur de la justice internationale? On pourra y revenir, mais juste avant ça, si vous me permettez de traiter encore des 40 dernières années à la lumière de ce que vous avez dit, évidemment, après la fin de la guerre froide, après les grands procès de Nuremberg, le développement suite à la Deuxième Guerre mondiale, les conventions de Genève, l'Éclaration universelle des droits de l'homme, il s'est passé des choses, comme vous venez de dire, professeur Chabas, mais on note souvent la renaissance, à tout le moins, du droit international pénal dans les années 90,
avec les tribunaux ad hoc, etc., l'implication, l'interaction entre le droit international humanitaire, la justice internationale pénale. Avant qu'on traite du futur du droit international pénal et humanitaire, c'est quoi les événements, à votre avis, les plus marquants de cette période plus récente, du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec les tribunaux, avec l'évolution de l'application du droit humanitaire aux nouveaux conflits, etc.? Qu'est-ce que vous voyez comme étant les développements les plus marquants qui ont marqué évidemment l'évolution du droit, mais qui pourront peut-être aussi influencer son avenir? Petite question pour vous, toute petite. Bon, alors, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, si ça ne t'ennuie pas, Bill, que je commence à parler à ces sujets. D'abord, je crois qu'il est important de signaler que quand on parle de droit pénal international, la discipline est en réalité bien plus ancienne que les 40 dernières années. Hein. Vous savez, si vous prenez au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a quelque chose que l'on cite souvent sur le plan historique, c'est un traité d'extradition entre Ramsès II, hein, le pharaon d'Égypte, et le pays des Hittites. Donc, c'est vous dire si ça remonte loin. Hein, si vous prenez, par exemple, la répression de la piraterie, eh bien, vous aviez une ligue des cités grecques qui, dans l'Antiquité, s'appelait l'Amphictyonie de Delphes et qui prévoyait que que les trières de n'importe quelle cité grecque qui rencontrerait des pirates aurait le droit de se saisir du navire des pirates, hein, et d'en faire ce que bon lui semblait. Donc, c'est vous dire à quel point, si vous voulez, la discipline est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'imagine. Et même si on revient dans les temps modernes, eh bien après tout, n'oubliez pas quand même que finalement, les compétences pénales extraterritoriales des États nationaux sont des choses qui existent parfois depuis la naissance de ces États. Hein, si vous prenez le cas de la compétence personnelle active, hein, c'est quelque chose qui existe très anciennement dans beaucoup d'États. Et donc, je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'en réalité, tout ça est le fruit d'une évolution assez lente, mais qui s'est faite progressivement et qui continue à se faire. Et c'est d'ailleurs excellent. Alors, je dirais que si les événements marquants de ces 40 dernières années, je crois que Bill y a déjà fait allusion, je pense que c'est quand même le développement de la justice pénale internationale. Ça, c'est clair que la création des juridictions pénales internationales, le TPY en 1993, le TPIR en 1994, et puis ensuite ceux qui ont suivi le tribunal spécial pour la Sierra Leone, hein, le tribunal spécial pour le Liban, bien sûr, la Cour pénale internationale en 1998. Ça, ce sont évidemment des développements tout à fait majeurs et remarquables. Remarquables notamment parce que la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, je pense surtout au TPY et au TPIR, a été remarquable dans la précision qui a été apportée par les juges à un certain nombre d'incriminations qui étaient bien connues, hein, si on pense aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité ou au génocide. Mais je pense que c'est le mérite de ces juridictions pénales que d'avoir mis en évidence la nécessité de l'intention criminelle, donc ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction, qui était vraiment très bien mis en évidence par rapport à l'élément matériel de l'infraction à travers la jurisprudence de ces deux tribunaux. Et ça, c'est vraiment fait faire, je dirais, un pas de géant extrêmement important dans ce domaine, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est vrai que la jurisprudence dans ce domaine était quand même relativement sommaire, même si on prend les jugements des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo en 1946 et en 1948, ça restait quand même des jugements qui restaient finalement assez généraux dans leur approche, même s'il y a certainement, et je pense en particulier au jugement du tribunal de Tokyo, du tribunal militaire international de Tokyo, il y a là quand même des éléments extrêmement importants qui ont été apportés au développement du droit pénal international. Et puis ensuite, il y a une période qui, entre donc la fin des années 40 et les débuts des années 90, il y a quand même une période où c'est vrai que le droit pénal international n'a pas de développement considérable, même si les textes existent. Hein, il existe des textes,
Vous savez, par exemple, la compétence universelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, à ma connaissance, le premier élément majeur d'expression de cette compétence, c'est la Convention de Genève de 1929 sur la répression du faux monnayage, où pour la première fois, on applique le principe aut dedore, aut judicare. C'est vraiment là que moi personnellement, en tout cas, j'aperçois le premier développement de ce genre. Mais vous savez, le crime contre l'humanité, par exemple, eh bien, la notion de crime contre l'humanité est une notion qui déjà est utilisée dans la déclaration de 1915 faite par le Royaume-Uni, la France et la Russie, ces déclarations tripartites par laquelle les trois États estiment que tous les membres du gouvernement ottoman seront tenus pour responsables des massacres qui sont commis contre les Arméniens. Eh bien, on utilise déjà là, on trouve l'expression de crime contre l'humanité. Et il y a d'ailleurs de la jurisprudence d'après-guerre où l'on n'hésite pas à dire que la notion de crime contre l'humanité, je pense ici à un arrêt de la Cour de cassation des Pays-Bas, je crois que c'est dans l'affaire Rauter, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que la notion de crime contre l'humanité est déjà en germe, est déjà sous-jacente dans la clause Martens. La clause Martens qui remonte quand même au préambule de la deuxième convention de la Haye de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur Terre, et qui dit qu'en attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre soit adopté, les belligérants restent sous l'empire des principes généraux du droit des gens et des lois de l'humanité. Voilà, il y a une référence déjà à l'humanité en 1899, et comme vous le savez, cette clause sera reprise ensuite dans le préambule de la quatrième convention de la Haye de 1907. Donc vous voyez qu'il y a finalement des racines, je dirais, extrêmement anciennes à ces règles de droit pénal international, et j'aime bien rappeler ça pour dire que finalement on n'a pas inventé grand-chose au cours de ces 40 dernières années. Il y avait des choses qui étaient déjà en germe et qui ont été reconnues par la jurisprudence interne de certains États, comme les exemples que je viens de citer. Voilà ce que je voudrais vous dire quand vous me posez la question de savoir quels sont les développements majeurs. Oui, dans les 40 dernières années, c'est clair que les mécanismes de justice pénale internationale qui sont évidemment, à mes yeux en tout cas, les développements tout à fait importants du droit pénal international, du droit international pénal, mais il y a déjà, tout cela a déjà des racines qui sont extrêmement anciennes et que je voulais rappeler ici. C'est une bonne question, les moments ou les événements les plus importants. Je pense que je suis d'accord avec Eric David quant à l'importance de la création des deux tribunaux ad hoc et puis par la suite, bien sûr, l'adoption du statut de Rome. J'ai assisté à la conférence de Rome, j'ai été là du début à la fin et j'ai participé au débat. J'étais extrêmement excité par l'adoption du statut, son entrée en vigueur. Je dois vous dire, on peut revenir là-dessus peut-être un peu plus tard, mais je suis de plus en plus déçu par la performance de la Cour pénale internationale. Mais sa création était un moment extrêmement important. En droit international public, si on parle plus, sur un plan plus large, Les deux événements les plus importants de la période, le dernier siècle, c'est la conférence de paix de Paris en 1919 et la conférence de San Francisco et ce qui entoure ces développements, notamment en matière de droit international pénal, le procès de Nuremberg, le procès de Tokyo. Et en 1919, il n'y avait pas de résultat, mais il y avait quand même des travaux extrêmement importants à la conférence de paix par la Commission sur les responsabilités. Et nous n'avons vraiment pas d'équivalent depuis 1945. Nous sommes toujours
dans le monde créé à San Francisco sur le plan de droit international. On n'a pas eu de guerre, de guerre mondiale, ça c'est certain. Je me rappelle bien quand j'étais jeune, pendant les années 50 et 60, mes parents craignaient une nouvelle guerre mondiale. Tout le monde croyait que c'était quelque chose qui... Ça se reproduit à chaque 20 ou 30 ans. Et on craignait une guerre nucléaire pendant les années 50 et 60. Et heureusement, on n'a pas eu de guerre mondiale. C'est le succès de la Charte des Nations Unies et les mécanismes et aussi les développements en droit international pénal, comme la criminalisation de crimes contre la paix ou, comme on dit aujourd'hui, le crime d'agression. Tout ça a fait en sorte qu'il y a presque plus de conflits internationaux. Je dis, j'espère que ça se maintient. C'est un moment peut-être un peu délicat, mais c'est pas la première fois qu'on passe à travers une crise de cet ordre. Si vous me permettez de parler un tout petit peu de Katia Boustany, parce que j'étais collègue de Katia. Nous avons commencé nos carrières d'universitaire à peu près à la même époque. Je crois qu'elle était un ou deux ans avant moi à l'Université du Québec à Montréal. Et moi, j'ai été engagé sur un contrat d'un an à l'Université du Québec à Montréal en 1991. Elle était déjà là, mais depuis un an ou deux. Et on a travaillé étroitement ensemble, surtout que nous étions les deux de la faculté, peut-être avec François Trépeau, qui était passionné par le droit international et surtout le droit humanitaire, etc. On a recruté nos étudiants à participer au grand concours, le concours Rousseau. Je me rappelle l'avoir fait avec une équipe à Bruxelles, Éric, et bien sûr, on l'a fait au Québec aussi. Le concours Pictet en droit international humanitaire, le concours Rousseau. Rousseau, Pictet, c'est quoi le troisième? René Cassin, à Strasbourg. Mais Katia, je me rappelle quand Katia, elle est venue me voir en 93, en 93, elle a dit, « Sais-tu, Bill, ils vont créer un tribunal international aux Nations Unies. Il y a une résolution du Conseil de sécurité et on est en train de rédiger le texte et peut-être qu'on peut travailler là-bas. » Enfin, ça ne s'est pas passé, on n'a jamais travaillé pour les tribunaux, nous deux, mais on a suivi. Je me rappelle qu'en 1994, au Québec, on a accueilli le concours Jean Pictet, de mémoire, c'était en mois de avril-mai 1994, et nous avons décidé d'organiser une conférence sur le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. On était peut-être parmi les premiers à faire un événement scientifique, académique, sur le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie et sur le règlement de preuves et de procédures. Je crois qu'Éric David était là, me semble, Éric. Et nous avions, bien sûr, certains Canadiens, entre autres, le juge Deschênes, Jules Deschênes, qui était à la retraite de la Cour supérieure du Québec et qui avait été nommé juge. Et le juge Deschênes a participé. Il était membre de la Chambre d'appel avec Antonio Cassese, Georges Abissab et deux autres. Et il a été un des auteurs de l'arrêt le plus important de notre époque, l'arrêt Tadic de octobre 1995. J'oublierai jamais cette journée-là parce que j'avais à côté de mon bureau, j'avais le fax. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un fax? On avait une machine pour recevoir les fax. Et je l'avais à côté de mon bureau. Et j'ai entendu, chaque fois qu'il y avait l'arrivée d'un fax, je pouvais l'entendre, le bruit de la machine. Et c'était un fax de Jules Deschênes. Et c'était la journée de l'arrêt Tadic. Mais il ne m'a pas envoyé le jugement pour me dire, voici, on vient de complètement changer notre interprétation de crimes contre l'humanité, on vient de reconnaître les crimes de guerre pendant un conflit non international. Non, Jules Deschênes a dit, il nous a envoyé une petite opinion qu'il a rédigée, que tout le monde a oubliée. Il a été fâché parce que le jugement est sorti en anglais et pas en français.
Tu te souviens, Eric, là, un truc de trois pages, et il a dit, c'est pas normal, à la Cour internationale de justice, ça sort dans les deux langues en même temps, et il faut que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie soit comme ça. Mais voilà, c'est des souvenirs de Katia aussi, et moi, par la suite, j'ai été plus impliqué dans le droit international pénal que Katia, elle était plutôt en droit humanitaire, elle avait d'autres sujets d'intérêt aussi. Et bien sûr, j'ai suivi l'adoption du statut de Rome, qui était passionnant. Mais peut-être qu'un peu plus tard, je peux parler un peu de ma déception avec la performance de la Cour pénale internationale. C'est sûr que les deux tribunaux ad hoc, ce qu'ils ont fait sur le plan de la jurisprudence et sur les deux conflits, parce qu'ils ont effectivement jugé une partie importante des personnalités, des participants dans ces deux conflits qui étaient parmi les plus importants de notre époque aussi, les guerres en ex-Yougoslavie et le génocide du Rwanda de 1994. Oui, moi je voudrais ajouter à ce que vient de dire Bill. En effet, nous étions, j'étais à Québec au concours Pictet. C'est pas compliqué, je me souviens très très bien de cela, c'était le 7 avril 1994, parce que c'est là que j'ai appris notamment le massacre des 10 paracommandos belges à Kigali, et le début donc du conflit entre le Front patriotique rwandais et les forces armées rwandaises, et le début du génocide des Tutsis, du massacre des Hutus modérés. Et je me souviens que mon sentiment est qu'il y avait quelque chose de surréaliste à faire un concours de droit international humanitaire au moment où un génocide commençait à être perpétré au Rwanda. C'était pour moi une sorte de déchirement et en même temps une chose invraisemblable qu'on puisse à la fois, si vous voulez, discuter de concepts juridiques alors qu'au même moment, dans une partie du monde, il y avait des choses les plus contraires à ces règles qui étaient occupées à se dérouler, qui étaient occupées à se passer. C'était quelque chose qui m'a terriblement frappé et touché. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est véritablement fascinant de vous écouter quand on s'intéresse à ces domaines. Et ça me fait l'image d'une forme de passage de relais, parce que vous évoquez des choses sur lesquelles nous, on travaille aujourd'hui, qu'on transmet aussi aux futures générations. Vous venez d'évoquer le concours Pictet. Fanny Lafontaine s'envole bientôt pour la prochaine édition en tant que membre du jury. On a été impliqués. Katia Boustany, merci beaucoup, William Chabas, de l'évoquer, que j'ai eu la chance de rencontrer de manière éphémère, mais qui était une personnalité marquante quand justement on s'intéressait au droit international humanitaire. Et puis au-delà de ces anecdotes sur les événements ou sur les personnes, c'est aussi très intéressant de vous entendre, et j'étais heureuse de vous entendre dire que vous commencez les cours avec une perspective historique. Ça me met moins mal à l'aise d'avoir fait subir à mes étudiants des grandes envolées lyriques sur la bataille de Solferino pour leur expliquer la quintessence de la naissance du droit international humanitaire contemporain. Et effectivement, je crois que quand on regarde en arrière, ça nous permet de regarder vers l'avant, et c'est effectivement ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et vous l'avez dit, et en vous écoutant, j'ai écrit finalement tout change, mais rien ne change. Parce que ce que vous dites, la manière dont vous avez appréhendé les choses au cours de votre carrière, je crois qu'on pourrait dire la même chose. Nous aussi, on appréhende ces phénomènes qui semblent parfois révolutionnaires, mais qu'on peut regarder avec une certaine forme de scepticisme. On attend que ça fasse ses preuves, ou au contraire, d'autres éléments qui apportent leur lot de défis finalement à certaines constructions juridiques. Et là, l'apport de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux en particulier, mais je vous laisserai, William Chabas, parler de l'apport de la Cour pénale internationale, mais vis-à-vis du droit international humanitaire, l'apport des tribunaux pénaux internationaux a été majeur. Et donc, effectivement, on a eu un nouvel élan qui a été donné au droit international humanitaire au travers la jurisprudence des tribunaux pénaux
ad hoc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles interprétations, avec des nouvelles appropriations de ce droit et avec également des nouvelles notions qui apparaissent. Aujourd'hui, par exemple, on peut parler d'écocide, de génocide culturel. On peut s'interroger sur l'impact des armes autonomes et de l'impact qu'elles peuvent avoir à la fois dans les conflits armés, mais sur la manière dont il va falloir juger celles et ceux qui vont les utiliser, etc. Bref, les défis se renouvellent au cours des années. Et maintenant, pour faire la transition avec la deuxième partie de cette conférence, on serait très heureux de vous entendre sur ce qui, selon vous, justement, depuis cette perspective que vous avez aujourd'hui, seraient les principaux défis ou potentialités qu'on pourrait relever ou qui pourraient être exploités au cours des 20 prochaines années. J'y vais ? Allez-y. OK. Bon, alors, écoutez, moi, je crois que l'avenir, pour moi le concept juridique qui est vraiment le plus prometteur et auquel je crois le plus, même s'il est très loin de trouver application, c'est celui que j'ai d'ailleurs développé. Je crois que la professeure Grillon s'en souvient. C'est le concept d'entreprise criminelle commune. C'est un concept auquel je suis particulièrement attaché parce qu'il permet de toucher des gens qui, a priori, ne semblent pas directement responsables d'atrocités, d'abominations qui sont commises par des gens, mais qui néanmoins doivent porter une part de responsabilité dans ces atrocités. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui était apporté d'ailleurs par l'arrêt Tadic, je crois que c'est celui de l'arrêt de la Chambre d'appel de 1999, c'est probablement Antonio Cassese qui est à l'origine de cela. Il a exhumé cela de ce qui avait déjà été préparé en quelque sorte à Nuremberg, mais qui n'a d'ailleurs eu aucune forme d'application à Nuremberg. À Nuremberg, on en a parlé à propos de la nécessité de pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes qui étaient membres d'organismes à caractère criminel comme la SS, par exemple, ou la Gestapo, de ce genre. Mais finalement, les gens ont été beaucoup plus poursuivis pour leur participation matérielle, réelle, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité que le simple fait d'être membre d'un de ces organismes. Et donc, finalement, le concept est resté un petit peu un concept, je dirais, de caractère théorique. Et là, c'est le mérite du TPY de l'avoir en quelque sorte remis au goût du jour en montrant que ce concept pouvait parfaitement s'appliquer encore aujourd'hui, qu'il avait une réalité juridique concrète, même si dans ses applications devant les tribunaux pénaux internationaux, on reste parfois sur sa faim. Et bien souvent, lorsque le concept, c'est ce que j'avais étudié à l'époque, je ne sais plus si c'est pour les mélanges Pictet, je crois, que j'avais fait, hein, pour l'hommage à Jean Pictet que j'avais fait, hein, où finalement, après une étude de l'application du concept, je me suis rendu compte que la plupart du temps, lorsque le concept était utilisé, il n'ajoutait pas grand-chose à la responsabilité pénale des personnes auxquelles il s'appliquait, et que par contre, il y avait des poursuites où l'on avait omis d'utiliser ce concept et où on a abouti à des acquittements qui, à mes yeux, restent tout à fait incompréhensibles. Je pense notamment à des acquittements par le tribunal pénal pour le Rwanda ou des gens comme Ntaguerura, je crois, je pense Naïmana aussi, ont été acquittés parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas, je dirais, de lien direct entre les faits qui leur étaient reprochés et leur implication concrète, pratique dans ces faits. Alors que par le truchement de l'entreprise criminelle qui malheureusement n'a pas été invoquée par le procureur à l'époque, on aurait parfaitement pu les poursuivre. Moi, j'estime que être resté membre du gouvernement intérimaire du général Bagosora entre avril et juillet 1994, au moment où se déroulait le génocide, eh bien, tous les membres de ce gouvernement devaient pouvoir répondre
des faits de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont été commis à l'époque. Et ceci même s'il n'avait aucune participation, même s'il n'avait jamais été sur des barricades, occupé à crier « tuez-les, tuez-les », il n'en demeure pas moins que leur simple membership de ce gouvernement, sans avoir démissionné, justifiait à mes yeux leur responsabilité pénale. Un très bel exemple de cela, eh bien, il y a non seulement la déclaration tripartite dont je parlais tout à l'heure, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie à propos des massacres des Arméniens en mai 1915, mais aussi, par exemple, dans le jugement du tribunal militaire international de Tokyo, où à un moment, le tribunal dit « être membre », je cite la formule par cœur, hein, ce n'est pas exactement ces termes-là, mais c'est le sens. Le tribunal dit « être membre d'un cabinet qui a la responsabilité des camps de prisonniers de guerre et ne pas démissionner de ce poste de cabinet, de ce cabinet, alors que ce cabinet est responsable des camps de prisonniers de guerre, eh bien, cela entraîne une responsabilité pénale de cette personne. » Et ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable et qui, à mes yeux, n'a pas encore été suffisamment utilisé. Et là, je me bats de toutes mes forces pour qu'on fasse davantage application de cela. Et voyez-vous, le concept d'entreprise criminelle commune est un concept qui, je sais, fâche un certain nombre de juristes de droit pénal pur et dur, hein, parce qu'ils trouvent que le lien de causalité est trop éloigné entre le fait concerné et la responsabilité pénale de la personne en cause. Et à mon avis, non, je pense qu'il y a un moment où il y a une responsabilité qu'il faut reconnaître, exactement de la même manière que Sartre dit un moment à propos de la responsabilité morale, de la responsabilité philosophique de l'écrivain, hein, que l'écrivain a un rôle à jouer en tant qu'intellectuel et qu'il doit lui aussi dénoncer un certain nombre d'horreurs, un certain nombre de turpitudes, un certain nombre d'abominations. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je ne m'arrête plus, il faut m'abattre quand je suis comme ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Merci de vous auto-réguler, William Chabas. Alors, sur cette question justement des potentialités ou des défis, qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans le débat? Le plus grand défi pour moi est de comprendre ce qui ne va pas à la Cour pénale internationale, d'essayer de comprendre pourquoi nous avons cette belle institution avec bien financée, avec un grand soutien chez les États, 123 États membres ou États partis au statut de Rome, et pourtant une Cour qui a condamné 4 ou 5 personnes en 18 ans maintenant d'activité, qui, j'ai regardé le site Internet de la Cour aujourd'hui pour voir ce qui se passe à La Haye, 2 procès, dont un pour une question d'outrage au tribunal. C'est parce que même le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, quand ça roulait là, au début des années 2001, 2002, 2003, il y avait 4 ou 5 procès en même temps. Ils ont jugé plus d'une centaine de personnes au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Et puis aussi, ce problème qui me donne aussi beaucoup d'angoisse, c'est le fait que tous les accusés sont des gens de couleur. Une situation que je trouve absolument inacceptable. Je ne sais pas comment on s'est rendu là. Et comment corriger la situation aussi. Mais alors, pour moi, mon idée, là, mon sentiment de la source de la difficulté de la Cour pénale internationale est le défi, donc on parle de défi, et qu'on n'a pas encore maîtrisé l'aspect politique du fonctionnement d'une Cour pénale internationale. Alors, ici, je veux dire que c'est le problème de l'identification des situations pour la poursuite et l'identification, bien sûr, des accusés. Et c'était censé être le changement, la révolution la plus importante de la Cour pénale internationale lors de l'adoption du statut de Rome, le fait de détacher
la cour du pouvoir politique, parce que le choix, la sélection de la situation auparavant avait toujours été fait par des éléments politiques, mais non seulement des éléments politiques, mais enfin les grandes puissances. Qu'on parle de l'empereur Guillaume en 1919, c'était les quatre grandes puissances. Qu'on parle de Nuremberg et Tokyo, c'était les quatre grandes puissances. Qu'on parle de l'ex-Yougoslavie ou de Rwanda, c'est encore la même gang en réalité, sauf qu'ils sont maintenant identifiés pas comme grandes puissances, mais comme membres permanents du Conseil de sécurité. Enfin, c'est la même chose. Et c'est eux qui ont fait la sélection politique des cibles de la justice pénale, de la justice internationale pénale. On a aboli ce contrôle. Techniquement, on l'a aboli en créant le procureur indépendant. Mais le procureur, c'est même plus opaque maintenant. Les choix, les sélections par le procureur, parce que c'est un particulier, c'est un individu qui n'est pas obligé de justifier ses décisions, de poursuivre, par exemple, les soldats d'Israël pour la Mavi Marmara, pour faire le flottille de Gaza, ou d'aller après les Américains en Afghanistan, ou de rester en Afrique, comme on a fait depuis presque 20 ans. Et c'est cet aspect de la Cour pénale internationale, je crois, qu'on n'a pas maîtrisé. Vous savez, un de ceux qui on l'oublie, mais il a joué un rôle important dans l'histoire de la Cour pénale internationale, James Crawford, qui nous a quittés il y a quoi, même pas un an. Il était juge à la Cour internationale de justice. James a été le rapporteur de la Commission de droit international au début des années 90, et c'est lui qui, enfin, il n'a pas fait seul, mais qui était responsable pour le premier projet de statut adopté par la Commission de droit international. Et j'en rappelle, parce que le projet qu'ils ont adopté, que la Commission de droit international a adopté, ne prévoyait pas de procureur indépendant. Le projet avait gardé le contrôle de la Cour pour le Conseil de sécurité, pour toute fin pratique. Et on se dit, mais James, parce que James n'était pas quelqu'un d'esprit conservateur, et je dis, mais pourquoi vous avez opté pour une vision de la Cour qu'on a dû rejeter éventuellement, bien sûr. Il a dit, parce que le monde n'était pas prêt pour une Cour avec un procureur indépendant. Et je me demande s'il avait peut-être raison, si on est allé, ça peut arriver, hein, on est allé peut-être trop loin avec le statut de Rome. On a fait des décisions parce qu'on s'est félicité après l'adoption du statut. C'était merveilleux. Les ONG ont beaucoup contribué. C'était fantastique, tout ce qui était dans le statut de Rome. Oui, sauf que ça ne marche pas comme il faut. Et c'est peut-être qu'on est allé trop loin. C'est la question que je me pose. Merci. Allez-y, monsieur. Allez-y, professeur Bavie. Oui, ce que je voulais dire, je suis bien sûr d'accord, je comprends les frustrations que ressent Bill. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que c'est un peu inévitable. Le monde reste quand même le monde des cités et non la cité du monde. Le statut de la Cour pénale internationale n'est pas un statut qui est fondé comme les juridictions pénales internationales de 1993-1994, c'est-à-dire le TPY et le TPIR, une création verticale. Le Conseil de sécurité impose son pouvoir, en vertu de l'article 25 de la Charte, à l'ensemble des États membres des Nations Unies en créant une juridiction qui a bien sûr une compétence limitée, uniquement aux crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, et des États voisins, en l'occurrence. Mais là, nous avons une sorte de création autoritaire, où tout à coup, ces deux tribunaux apparaissent comme quelque chose d'assez semblable, finalement, à ce que nous connaissons dans les ordres juridiques internes des États, où vous avez une juridiction qui, disposant du pouvoir de la force publique, hein, peut effectivement prendre des décisions, prendre des jugements, poursuivre qui le parquet le souhaite. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire pour la Cour pénale internationale,
pour des raisons évidentes, pour que le statut puût être adopté et puisse recevoir l'accueil, notamment des grandes puissances, et ça, je crois que Bill a raison de dire qu'effectivement, il fallait que les grandes puissances s'associent à cela. Eh bien, non, les grandes puissances ne sont pas prêtes à accepter qu'un petit juge, entre parenthèses, puisse juger, je dirais, les hommes les plus forts de la planète, que ce soit le président des États-Unis hein, ou le président Poutine. C'était quelque chose qui était inacceptable. Et donc, on a fait une création là qui n'est plus verticale, mais horizontale. Mais résultat des courses, il y a quand même, en effet, 123 États partis au statut de la Cour, et c'est pas si mal, bien sûr. C'est une justice qui semble être une justice quelque peu focalisée sur les horreurs commises dans un certain nombre d'États africains, encore que, comme vous le savez, actuellement, le procureur essaye de diversifier ses poursuites et de poursuivre des gens en dehors de l'Afrique. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes vers d'autres endroits du monde. Mais là aussi, je regrette, comme Bill, que par exemple, les incidents du Mavi Marmara n'aient pas donné lieu à poursuite de la part du procureur. Et je crois que là, il y a une sorte de crainte d'effaroucher, en quelque sorte, certaines grandes puissances qui sont les alliés traditionnels d'Israël. Eh bien, voilà, malheureusement, on retrouve là ce phénomène qui est propre à la société internationale contemporaine, où malgré tout, les grandes puissances continuent à avoir leur mot à dire sur le plan politique, même si juridiquement, il ne faut pas l'oublier, c'est que juridiquement, les grandes puissances, comme les tout petits États, sont liés par exactement les mêmes règles. Professeur Chabas avait commencé en parlant de décolonisation du droit international. Vous terminez ce propos, M. David, par cette idée des grandes puissances et du rôle, etc. Et on a quelques minutes avant la période des questions, mais nos étudiants, on essaie d'enseigner, je pense, ce que Bill te dit qu'on n'enseignait pas, hein, ces questions-là un peu omises. Il y a une idée que l'héritage de Nuremberg, l'héritage des conventions de Genève est quand même fondé sur une fondation hégémonique. Hein. Les grandes puissances ont décidé, les préoccupations de nombreux États ou de voix comme les peuples autochtones qui n'avaient pas de voix au chapitre du droit international fondé sur ce pouvoir des nations. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait et qui par nos étudiants actuellement, qu'on essaie d'encourager pour voir comment le droit international pénal humanitaire peut continuer d'avoir une pertinence dans un monde en changement où certaines voix s'élèvent, des acteurs non étatiques des nations autochtones, etc. Nos étudiants travaillent sur ces politiques de poursuite du procureur, sur les nouveaux crimes. Est-ce qu'on parle des cas? Est-ce qu'on parle d'exploitation des ressources, des relents du colonialisme? Est-ce que les crimes actuels sont suffisants pour répondre aux préoccupations de ce qu'on appelle la communauté internationale, mais qui était en fait définie par les grandes puissances dont vous voulez parler? Nos étudiants parlent de genre, nos étudiants parlent des efforts de l'Afrique de faire un protocole, le protocole de Malabo qui parle de responsabilité corporative, de nouveaux crimes. Nos étudiants donc essaient en tout cas d'élargir la conception du droit international pénal humanitaire pour essayer de lui trouver une pertinence dans un monde justement en changement qui était fondé sur des bases hégémoniques. Et donc, ma question pour la fin, avant qu'on donne la parole à tous ces gens fantastiques qui sont avec nous dans la salle ou enfin en public, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes chercheurs, aux jeunes professionnels qui sont dans ce milieu-là? Vous avez commencé en nous parlant de comment vous avez commencé votre carrière. Eux commencent leur carrière dans un monde différent de celui que vous avez évoqué au début. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur la réalité auquel ils font face et les défis qu'ils devraient relever, les choses auxquelles ils devraient s'intéresser dans ces domaines-ci? Je vous cède la parole. Bill, on va commencer par toi. Moi, je crois que ma vision et ce qui m'a toujours guidé dans mon implication en droit international, je veux contester ce qu'on appelle quoi, les deux poids, deux mesures, le double standard, le fait que les règles ne s'appliquent pas, les mêmes règles ne s'appliquent pas de la même façon
pour tout le monde. Éric David vient de dire que on a les mêmes règles à la Cour pénale internationale. Le statut de Rome s'applique aux petits pays, aux petits États et aux grands États de la même manière. Et c'est vrai, et en même temps, ce n'est pas vrai. C'est que le droit est un... On a tendance, on a une vision, disons, bénigne de voir le droit comme les règles qui sont égales et qui nous permettent d'avoir, enfin, de régler les différends des États et de vivre dans un monde sans conflit. Mais en même temps, le droit international est en lui-même un champ de bataille entre les faibles et les puissants. Moi, je suis du côté des faibles et j'utilise le droit afin de combattre les puissants. Mais les puissants sont aussi en train d'utiliser le droit afin de maintenir leur hégémonie et leur pouvoir. Et donc, nous sommes de comprendre que le droit, nous sommes constamment en conflit. On le croyait, je crois, beaucoup le croyaient lors de l'adoption du statut de Rome, qu'enfin, on avait créé une institution qui était comme immunisée au contrôle politique. Et on se dit, mais enfin, c'est du juridique pur. Il n'y a pas de politique. Mais moi, la politique, d'après moi, est incontournable. On peut pas sortir l'aspect politique du droit international, du droit international pénal, du droit international des droits de la personne. Et je crois que c'est ce que j'aime aussi de ces domaines de droit, c'est cet aspect politique. Il faut l'utiliser, il faut instrumentaliser le droit afin de corriger les inégalités dans le monde et pousser. D'après moi, un des défauts du procureur de la Cour pénale internationale est de fait d'aller chercher des accusés en Afrique, parce que c'était pour plusieurs raisons, parce que il n'y avait pas de conflit, pas de difficultés avec les puissances, les grandes puissances qu'il va avoir s'il insiste pour faire enquête en Palestine, en Afghanistan, en Ukraine, etc. Inévitable que la Cour est menacée. On sait que l'ancien procureur avait même son visa revoqué aux États-Unis. Elle était menacée de poursuite aux États-Unis. Elle a fait preuve d'un certain courage, Fatou Bensouda, sur ce plan-là, et je l'admire pour ça. On ne sait pas si Karim Khan, que j'aime beaucoup, il est un très bon avocat, il était un grand avocat de la défense, mais je ne sais pas s'il a le même courage que Fatou Bensouda. On ne sait pas. Il n'a pas encore montré ce qu'il est capable de... Mais il faut absolument qu'il sorte de l'Afrique. C'est scandaleux, la situation. Alors, je prends la parole. Je suis du genre plutôt optimiste. Ma devise, mon adage, c'est toujours y croire. C'est ce que je dis quand je joue au tennis et que je perds face à un adversaire que pourtant j'estime qui joue beaucoup moins bien que moi, mais qui est beaucoup plus efficace. Je me dis, allez, toujours y croire. Et c'est ce que je dis aussi à mes partenaires de double quand nous sommes écrasés par l'adversaire, pas plus tard que ce matin encore. Nous étions confrontés à des gens qui étaient, en tout cas l'un des deux joueurs était plus fort que nous, qui avait une présence au filet que nous n'avions pas et qui faisait des points. Ben, je dis, allez, toujours y croire. Et ça, c'est un peu, je dirais, oui, l'inaccessible étoile alors, de Jacques Brel. Hein, l'inaccessible étoile, et pour moi, c'est aussi le poème de Verhaeren, le robuste et vieux passeur. Hein, c'est l'histoire d'un passeur qui essaie de lutter contre... de passer une rivière qui est battue par le vent et les flots. Hein, et il s'efforce avec ses rames de pouvoir aller chercher quelqu'un qu'il appelle sur l'autre rive, et là, il a un roseau vert entre ses dents. Et dans le poème de Verhaeren dit... Il essaye de faire avancer son canot, et tout à coup, il se retourne, il se rend compte qu'il n'a pas avancé d'un millimètre, que son gouvernail s'est brisé,
que ses rames se sont brisées. Et la fin du poème, c'est « Mais le robuste et vieux passeur garda tout de même pour Dieu ses camps, le roseau vert entre ses dents. » Parce qu'il meurt sur ce roseau pour pouvoir absolument atteindre l'autre rive. Je crois qu'il faut faire la même chose avec la Cour pénale internationale. C'est vrai qu'elle est certainement pour l'instant paralysée par son statut, par la manière dont elle a été organisée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais regardez la Cour internationale de justice. Dans les années 60, elle a été récusée par bon nombre d'États, en particulier les États du tiers-monde, qui estimaient que la Cour pratiquait un droit bourgeois, que par conséquent, il ne fallait pas aller devant cette Cour, qui était en quelque sorte acculturée à des valeurs purement occidentales. Et puis les choses ont changé, et aujourd'hui, il y a des tas d'États du tiers-monde qui n'hésitent pas à recourir à la Cour internationale de justice. Eh bien, je pense que le même phénomène finira par se produire, mais ça prendra certainement du temps. Et là, il faut surtout compter sur le poids des opinions publiques sur le territoire des grandes puissances. Je pense qu'il arrivera un moment où, là aussi, la Cour pénale internationale finira par étendre son empire sur d'autres États. Et moi, personnellement, j'ai la faiblesse, un signe d'y croire, parce que, je vous répète, je suis un indécrottable optimiste. C'est une belle fin, nous aussi, on veut y croire et on y croit. Merci, je vais sans plus tarder céder la parole à Eric, qui est toujours notre gourou et notre Manitou, mais là qui va diriger donc la période des questions pour qu'on puisse terminer avec de la contribution de notre audience et on terminera plus tard. Merci infiniment de ces réflexions de la fin et on va continuer ça dans la période des questions. Eric, je te cède la parole. Merci beaucoup, professeur Chabas, professeur David, professeur Lafontaine et Grignon pour ces échanges très intéressants. Il nous reste environ 15 minutes pour la période de questions, comme prévu. Je vous rappelle, chers membres du public, que vous pouvez poser vos questions dans l'icône en bas de votre écran Q&A. Vous pouvez voter pour les questions que vous préférez. Nous avons déjà trois questions en tête. J'invite donc notre première personne qui souhaite poser une question, Thomas Roux, qui est coordonnateur du projet Osons le DIH, candidat au doctorat en droit international humanitaire ici à l'Université Laval. Donc Thomas, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, puis merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ça tombe bien parce qu'en plus, la question que je comptais vous poser, vous avez un peu amorcé ce sujet-là en parlant de la CPI notamment et les limites qu'elle pouvait avoir par rapport aux grandes puissances, par rapport auxquelles elle est un peu timide en termes de condamnation, on va dire. Ça aurait été pour savoir comment vous voyez du coup le phénomène un peu récent de la saisie de questions liées au droit des conflits armés, notamment par les juridictions de droits humains qui du coup pourraient compenser un peu ça, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle on avait écrit un article d'ailleurs dans la revue québécoise Droit international avec la professeure Grignon, qui, elle, se saisit un peu de questions du comportement des troupes, par exemple, britanniques ou russes, pour faire un lien avec l'actualité sur les champs de bataille, et qui pourrait compenser un peu cette inaction de la CPI face aux grandes puissances en, elle, condamnant peut-être le comportement de ces grandes puissances-là quand elles se déploient dans des conflits armés à l'étranger, encore une fois, notamment les forces britanniques en Irak ou la Russie en Géorgie, pour parler d'un arrêt récent. On répond ? Oui, voulez-vous répondre, professeur ? Oui, d'accord. Écoutez, vous avez raison d'évoquer cette question. Alors moi, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez magnifique, c'est que finalement, la Cour européenne des droits de l'homme, bien qu'elle ne soit pas une spécialiste du droit des conflits armés, aujourd'hui, elle apparaît comme une sorte de gardienne complémentaire du respect de ce droit. Et on l'a vu à travers notamment les affaires tchétchènes, qui ont été portés devant elle. Je pense à l'affaire Isayeva, l'affaire Kachayev, si mon souvenir est bon. Il y a encore une troisième dont j'ai oublié le nom, où effectivement on voit que la Cour, sur la base des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, montre que cette convention est parfaitement applicable pour certaines requêtes qui ont été adressées à la Cour. Eh bien, elle peut transposer, je dirais, les règles de la Convention de Strasbourg au conflit armé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait positif et qui est en quelque sorte où la Cour apparaît comme une,
une alliée supplémentaire dans la protection du DIH, à côté, bien sûr, des organes traditionnels que sont, que ce soit l'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de sécurité, quand il veut bien s'occuper de la question, hein, ou bien le CICR. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très positif et il ne faut pas du tout négliger cet aspect-là des choses dans le cadre de la Cour de Strasbourg. Merci, professeur Chabot. C'est très important ce que la Cour européenne des droits de l'homme fait dans le domaine de droit international humanitaire. Je pense que on est en train de démontrer que les droits de l'homme ou les droits de la personne sur le plan international, que ce soit les conventions régionales comme la Convention européenne des droits de l'homme ou les conventions universelles comme les pactes, sont capables de régler à l'intérieur de leur système, d'aborder les problèmes de jus in bello. Et ça, c'est extraordinaire. On s'inspire, vous savez, la Cour internationale de justice, maintenant, il y a presque 30 ans, avait dit ben, pour le jus in bello, c'est le lex specialis, c'est le droit international humanitaire et le lex specialis. Après, ils ont ajusté l'approche pour dire que les deux domaines de droit, le droit international et les droits de la personne et le droit international humanitaire, fonctionnent en parallèle, en quelque sorte, lors d'un conflit armé. Mais c'est un fait maintenant qu'à l'intérieur du système de droit international des droits de la personne, on peut effectivement juger, régler, aborder les problèmes des conflits armés. Même sur le champ de bataille, pas seulement la protection des non-combattants ou ceux qui sont hors combat, mais également même l'emploi, par exemple, les armes prohibées, tout ça, ça peut être, on est tout à fait capable de juger ces questions à l'intérieur de la protection du droit à la vie, prohibition de l'interdiction de la torture, etc. C'est extraordinaire, c'est récent, c'est nouveau. Je me demande même si dans 50 ans, le droit international humanitaire sera en quelque sorte marginalisé. Il y a comme un genre de concurrence entre ces deux-là. Pas une concurrence hostile, mais une concurrence entre ces deux domaines, lequel va enfin se montrer plus efficace pour juger ces questions-là. Je ne serai pas surpris, enfin, je ne serai pas là dans 50 ans, mais dans 50 ans, qu'effectivement, le droit international humanitaire est quelque chose de l'histoire, appartient à l'histoire, et tout se trouve par la suite jugé en fonction des droits de l'homme. Merci beaucoup. J'invite maintenant Chloé Dubuc, qui est candidate à la maîtrise en droit international ici à l'Université Laval, à poser sa question. Oui, merci pour la conférence. Ma question s'inscrit un peu dans la lignée de la déception émise par le professeur Chabas là, sur la performance de la CPI. Je me demandais, considérant les développements récents en matière de compétences universelles, les discussions sur la création de tribunaux hybrides internationaux, au Soudan du Sud et en RDC, puis la volonté de régionaliser la justice internationale pénale en Afrique, est-ce qu'on pourrait assister dans les prochaines décennies à l'implosion de la CPI ou à sa relégation comme instance symbolique? Merci. Mais c'est possible, hein? C'est possible, vous dites, dans les 10 prochaines années. On sait qu'on espère, on souhaite, je suis optimiste comme Éric David, je veux bien que la Cour internationale, la Cour pénale internationale devienne plus dynamique, mais pour l'instant, c'est difficile à prévoir. C'est la même chose d'ailleurs pour les tribunaux ad hoc. On avait les deux grands tribunaux ad hoc. Les tribunaux ad hoc plus récents, je pense par exemple au tribunal spécial pour le Liban. Ce n'est pas sérieux, le tribunal spécial pour le Liban. Ça a coûté 500 millions, je ne sais pas combien. C'était énorme ce que ça a coûté, ce tribunal, pour juger 4 personnes, 4 fantômes qui par contumace. Et c'est ridicule. Et c'est, de toute façon, le tribunal est en faillite maintenant. Mais je crois qu'il y aura peut-être un virage vers les tribunaux de droit interne, et peut-être
plus de compétences universelles. La compétence universelle est aussi quelque chose, il est difficile à voir d'où on s'en va, parce qu'il y a, chez certains États en Europe, il y a de plus en plus de compétences universelles, mais en revanche, il y en a d'autres où on ne le fait pas du tout, comme le Royaume-Uni, ou à peine la France. La France n'a pas vraiment de compétences universelles. Et ce qu'on fait en France et qu'on prétend être la compétence universelle est en réalité la compétence personnelle passive, en règle générale. Et même au Canada, on n'a fait que quelques affaires, enfin, tout cet investissement pour... Alors, je ne sais pas d'où on s'en vient avec ça. Mais c'est sûr que, et ça, c'est une conséquence indirecte du statut de Rome, c'est d'encourager, d'insister aux États, il y a plus de justice sur le plan interne. Ça, c'est certain, et espérons que ça continue. Oui, ce que je voudrais dire pour répondre à cette question aussi, que je voudrais compléter ce que Bill vient de dire, c'est qu'effectivement, si vous prenez le préambule de la Cour pénale internationale, hein, les alinéas 4 à 6 du préambule insistent sur le fait qu'il faut lutter contre l'impunité et qu'il incombe à tout le monde de poursuivre les auteurs des crimes qui sont prévus par le statut de la Cour pénale. Et moi, je vous dirais que personnellement, d'ailleurs, au moment où on a créé les tribunaux pénaux internationaux, en particulier le TPY, les premières semaines de cette création, je me suis dit, mais enfin, c'est absurde de créer cela, alors que finalement, par le truchement de la compétence universelle, on peut parfaitement réaliser on peut parfaitement exercer toutes les compétences qui ont été confiées au TPY. Mais ça, c'est évidemment un rêve de juriste en chambre, hein, douillettement logé dans le cocon de son bureau, hein, et les choses sont beaucoup plus compliquées en réalité. Et je crois que grâce à la création des tribunaux pénaux internationaux, on a pu poursuivre un certain nombre de gens qui avaient les mains noires de sang, et ça, c'est quand même tout bénéfice, je dirais, pour le développement du droit pénal international et du droit international humanitaire, c'est incontestablement. Donc finalement, la création de ces juridictions pénales est une très bonne chose. Merci beaucoup. Vous avez répondu à plusieurs questions qui sont dans le Q&A déjà, dont une qui de votre collègue Daniel Turp, dont c'est le jubilé cette année et dont qui a été mis en valeur à travers le récent numéro de la revue de la Société québécoise de droit international, qui vous demandait si les grandes puissances, en particulier les États-Unis, allaient un jour rejoindre ou pas le statut de Rome. Donc, la voie de sortie pour vous est peut-être plus la justice internationale, la justice nationale, plutôt qu'une adhésion de ces grandes puissances à ces statuts-là. En une minute, voulez-vous réagir à cette question avant qu'on vous transporte sur le terrain de l'Ukraine pour les dernières minutes de la conférence? Alors, personnellement, je prends tout de suite. Je crois que ma réponse, c'est l'opinion publique. Ça dépend de l'opinion publique, ça dépend de la pression, à mes yeux, de l'opinion publique dans le cadre des États-Unis. Et peut-être qu'un jour, le rattachement l'adhésion, parce que les États-Unis, comme vous le savez, ont dénoncé leur signature du statut de la Cour pénale internationale, et peut-être qu'un jour, les États-Unis reviendront sur cette décision et que finalement, ils adhéreront au statut de la Cour pénale si ça devient un enjeu électoral. Et ça dépend un petit peu des pressions de l'opinion publique américaine qui, il faut bien l'avouer, ne peut pas spécialement intéresser, majoritairement parlant, hein, par ces questions. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais, comme chacun sait, donc peut-être qu'un jour on assistera à une pression suffisante pour que les États-Unis acceptent de jouer le jeu du droit international, en particulier du droit international pénal. Oui, prévoir l'avenir, si on parle des États-Unis, notre voisin compliqué, difficile. Écoutez, moi, s'il faut prévoir l'avenir, pensons à l'éclatement des États-Unis, qu'il n'y aura plus d'États-Unis dans 50 ans ou 75 ans, et que le Vermont et le Massachusetts vont devenir États partis du statut de Rome. Le Texas, je n'en suis pas certain. Pourtant,
Pourtant, le Texas est en train de basculer et de devenir un État relativement de l'Amérique latine. Et il se peut que le Mexique va agrandir son territoire ou au moins qu'il y aura la sécession de Texas, de Nouveau-Mexique, Arizona, etc. Je provoque. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter Mathilde Doucet, qui est candidate au doctorat en droit international humanitaire à la Faculté de droit, à poser une question. Oui, bonjour, merci. Merci pour vos présentations, enfin vos discussions. C'était super intéressant. Elles étaient notamment portées de valeurs qui me sont très proches, notamment en ce qui concerne redonner la parole aux effacés de l'histoire du droit, parce que ma thèse porte sur la protection des personnes LGBT+, dans les conflits armés, donc les LGBT+, qui sont eux aussi les grandes personnes effacées de l'histoire du DIH. Et du coup, ma question, c'est finalement, comment vous pensez que le DIH peut s'adapter aux évolutions de la société? Comment le DIH, alors qu'il n'y a pas de cours spécialement dévolu à l'application du DIH, comment le DIH finalement peut évoluer pour prendre en compte et redonner la parole à ces effacés de l'histoire? Merci. Bill, je réponds? Ah non, ça c'est à toi, Eric. Merci, Bill. Écoute, moi je pense que le DIH, vous savez, déjà tel qu'il existe actuellement, répond à quasiment, à mes yeux en tout cas, à toutes les questions qui peuvent se poser pour la protection des personnes protégées par le DIH. Et donc, je crois que le DIH est parfait si vous pensez, par exemple, au cas des... On y a fait allusion tout à l'heure au cas des armes autonomes. Les armes autonomes n'échappent absolument pas au DIH, même si, en pratique, on se rend compte que les armes autonomes n'ont peut-être pas exactement la même formation que les professeurs d'université, mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'elles sont quand même toujours commandées par un être humain et que cet être humain devrait répondre des violations commises par une arme autonome. Alors, c'est vrai que, comme le disait un spécialiste en robotique, un drone prétendument intelligent ne fait pas la distinction entre un militaire avec une Kalachnikov et un gosse qui arbore un revolver en plastique. Tant pis, il doit le faire. Le drone doit le faire et celui qui le commande, celui qui l'a programmé, doit avoir assuré cette distinction. Et s'il ne l'a pas fait, eh bien, sa responsabilité est engagée exactement de la même manière que si c'était un être humain qui avait commis cette erreur d'appréciation dans le ciblage d'une victime. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Si je peux ajouter quelque chose, j'ai parlé tout à l'heure d'un genre de synthèse entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de la personne. Dans l'arrêt Tadich, dont on a parlé tout à l'heure, pas celui de 99, mais celui de 95, sur la compétence. Dans cette affaire, on dit que le droit international humanitaire est une expression qui remplace en quelque sorte le droit des conflits armés, mais c'est le droit des conflits armés influencé par le droit international des droits de la personne. Et alors, d'après moi, la réponse, Mathilde, à votre question, c'est de dire qu'il faut il faut mettre plus de droits de la personne dans le droit international humanitaire. Il faut que c'est là où on va trouver la réponse à votre question, à mon avis. Merci beaucoup. Et on prendrait peut-être une dernière question qui serait en lien avec l'Ukraine. Dites-moi, notre collègue Liliana Jureta nous demande, malgré que la Russie s'est retirée du statut de Rome, il y a la possibilité d'y procéder, vu que l'Ukraine avait déposé deux déclarations ad hoc reconnaissant la compétence de la CPI, et la procureure de la CPI a conclu en 2020 qu'il existe une base pour ouvrir une enquête. Alors, pourrons-nous espérer un jour voir les poursuites concernant la situation en Ukraine? Et plus globalement, que pensez-vous de ce qui s'est déroulé depuis hier, les deux déclarations d'indépendance et les reconnaissances d'indépendance de la part de la Russie également à l'égard des deux provinces de l'Est ukrainienne? En ce qui me concerne, moi, je crois que la reconnaissance par la Russie de ces déclarations d'indépendance, bon, bien, ça, c'était vraiment ce qu'on appelle typiquement des formes de reconnaissance prématurées.
L'Ukraine, à ma connaissance en tout cas, n'a pas accepté ces déclarations d'indépendance de la même manière que l'ex-Yougoslavie, à un moment, elle a fini par reconnaître l'indépendance des États qui avaient pris leur liberté, que ce soit la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Ça ne posait pas vraiment de problème. Ici, par contre, ce n'est toujours pas le cas. Donc, théoriquement, dans un droit international traditionnel, classique, ces reconnaissances sont clairement des formes d'ingérence, des formes d'intervention dans les affaires intérieures de l'Ukraine, juridiquement parlant. Alors, politiquement, bien sûr, on peut discuter à l'infini sur le point de savoir si finalement il ne faut pas, privilégier peut-être cette forme, entre guillemets, d'autodétermination. Ce n'est pas du tout l'autodétermination au sens juridique du terme, bien sûr, qui s'applique, mais enfin, le fait que les populations russophones ne veulent plus rester sous la domination du gouvernement ukrainien, il semble, alors, mais là je ne connais pas bien la question, hein. Il y a quand même eu en 2015, je crois, un protocole de Minsk qui en quelque sorte donne des obligations à charge de l'Ukraine d'accepter certaines formes d'autonomisation, si j'ai bien compris, mais je ne connais pas le détail de la question, mais enfin c'est une question qu'il faudrait examiner au regard effectivement de ces accords qui datent de 2015 à ma connaissance, mais je n'en sais pas davantage et donc je ne m'aventurerai pas plus loin sur ce terrain. C'est certain que la Cour pénale internationale va pouvoir faire enquête sur l'Ukraine, mais soyez pas confiants qu'on va trouver des violations chez les Russes et pas chez les Ukrainiens. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, en ce qui concerne la reconnaissance par la Russie, je crois que c'était d'hier, et qui a été condamnée par les Américains, j'aimerais bien que les Américains retirent leur déclaration de reconnaissance de l'annexation de Golan avant de critiquer la Russie pour ce qu'ils ont fait. Alors que les hypocrites de Washington, ils font la même chose quand ça fait leur affaire. Merci beaucoup pour vos discussions et vos réponses à ces questions. Nous voici maintenant, nous avons déjà abusé de votre temps de 3 minutes, alors je vous propose de mettre fin à la conférence. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie grandement pour votre temps, vos réponses, votre discussion. Je remercie spécifiquement les professeurs Julia Grignon, Fanny Lafontaine, Éric David, William Chabas, Marie-Ève Arbour et Charles-Emmanuel Côté en particulier. Je remercie également toutes les organisations partenaires que j'ai mentionnées au début de l'organisation, au début de l'événement, en particulier quelques personnes parmi ces organisations, Marie-Michel Pelletier, Agatha Kociolek, Justine Leblanc, Sharon Beaulieu de l'équipe des événements et des communications de la Faculté de droit. Évidemment, mes chers collègues qui ont beaucoup travaillé dans les dernières semaines à l'organisation de cet événement, là, en particulier Thomas Roux, Mathilde Doucet et Chloé Dubuc. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Mélanie Dufresne également du partenariat. Merci pour votre temps. Merci, cher public, d'avoir participé en grand nombre, d'avoir posé vos questions. Ce fut un plaisir de vous revoir virtuellement dans cette conférence Katia Boustany 2022. On vous donne rendez-vous l'an prochain en 2023. Merci. Et bravo pour l'organisation. Merci beaucoup de votre temps et merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci pour vos réponses.